Là, on est dimanche 22 mars. Alors, tout le monde est obligatoire de rester chez eux, vu avec le coronavirus là. Alors, on est tous confinés. Alors, on fait un petit bordel sympa. Ça va pas nous faire du mal. Voilà. Bon ben. Voilà. Surtout, faut bien nettoyer le barbecue, hein. Enlever tous les saletés. Voilà, je verse tout, toute la merde. Alors, je verse bien. Voilà. Après, je laisse sécher. Surtout, il faut bien frotter le coin ici, là. Des fois qu'on pose de la viande, on a tendance de toucher ici là, et c'est pas tellement propre. Alors chaque préparation de barbecue, faut toujours nettoyer votre barbecue avec de l'eau, enlever toute la saleté ici là. C'est plus agréable d'avoir un barbecue propre. Voilà, je voulais vous montrer aussi que j'ai ces deux pinces là pour attraper la viande, je les ai nettoyées, ils sont propres. Alors, surtout, il faut bien nettoyer ces deux pinces là, hein. Si vous avez deux ou trois, il faut les nettoyer. Si vous avez l'intention de vous en servir, il faut les nettoyer parce que bon, ils ont resté presque une année dehors. Parce que le barbecue, on l'utilise quand il fait beau, l'été. Alors voilà, il faut bien nettoyer. Voilà, ah, j'ai bien frotté tout à l'heure là. J'ai donné un coup là. Là, je rince tout. Là, je vais tout rincer. Enlever tout ça. Voilà. Nickel, propre. Voilà. Je laisse sécher là. Voilà, peut-être le mettre au soleil, ça sèche vite. Bon, sur la terrasse, il n'y a pas de soleil, mais bon, je vais laisser comme ça, on verra bien. J'ai la grille que je dois nettoyer aussi parce que regardez, bon, il faut donner un coup, hein, faut bien enlever tout, les restes deviennent coincés là. Bon, ça, il faut tout refaire, gratter, nettoyer, hein. Comme d'hab, hein, faut toujours nettoyer, hein. C'est plus agréable quand c'est propre, hein. Voilà, j'ai une brosse métallique spécial pour nettoyer grille de barbecue. Ça enlève tout.
Oh, ça prend bien. Oh, l'enculé. Oh là, une curée. Oh, le feu. Waouh, ça c'est du feu. Ça c'est de la bombe. Regardez-moi ça. C'est la bombe ça. Tarder à mettre la viande là, les merguez là. Vous avez vu la méchante braise là? Oh purée, je crois que c'est un des meilleurs que j'ai fait là. Ah ouais, j'ai trop bien fait. Alors là, je vais bien étaler la braise. Comment il est magnifique cette braise. Waouh, wow. Hein. Elle est trop belle. Hein. Une belle paire de braise. Une paire de braise. Je rigole. Que des conneries je raconte. Regardez. Méchant ça. Oh purée. J'ai commencé avant l'été. Hein. Là on est le 22 mars. Dimanche 22 mars. Hein, avec ce qui se passe là. Cette coronavirus là. On est tous confinés là. Rester à la maison, alors je me suis dit, je vais me faire un méchant barbecue. Allez, trop bien. Ça. Joli, hein?
On met ça. À 15 ans là, je vais couper. Regardez-moi tout ça là. Il commence à faire nuit. Hein. Toi, t'es à 19h et quelques. Non, mais écoute, je vous conseille de faire comme moi. Hein. On est tous fermés là. Voilà, un bon petit barbecue est toujours la bienvenue. Ouais, j'ai pris un coup là, un coup de rhum. Ouais. C'est trop bon. Un petit punch. Un coup de rhum là. Le rhum, ça tue le coronavirus. Oh putain, c'est trop cramé là. C'est une hauteur hein. Ça c'est du merguez. Ouais, faut pas que je le crame trop là parce que là tout le temps je l'ai mis en hauteur. Niveau, regardez le niveau. Carrément où j'ai mis. Et là, c'est trop chaud. Oh, putain, ça va même pas mettre les mains là-dedans. Que c'est chaud. Waouh. Putain. Bouillant. Hein. Alors, j'arrête tout là. Allez. Merci à tous. À bientôt. Hein. Voilà. Premier merguez. Première barbecue de cette année là. D'habitude je le fais dès un mois de juin ou même mai. Hein. Fin mai juin, mais là bon, ça a été aussi rapide. Voilà quoi. Merci, allez, à bientôt, ciao. Voilà, j'ai fini les merguez hein, et la grillade, j'ai tout fini là. Là, je vais passer de l'eau là-dessus là pour éteindre. Les braises, hein, il faut jamais laisser les braises allumées toute une nuit, ça peut être dangereux. Alors, je vous conseille de prendre de l'eau et verser en douceur, parce que quand vous versez de l'eau dessus, il y a la vapeur qui monte et ça peut faire très mal. Alors, faut verser l'eau mais très loin. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà, non, au soir. Pour verser là-dessus, doucement. Hein. Alors, je verse doucement comme ça, là. Regardez. Si je mets la tête trop en avant, juste d'avoir la fumée dans la gueule, et la vapeur de la fumée, la vapeur d'eau et tout ça, là, ça fait très mal au visage. Alors, il faut aller doucement et verser l'eau
très doucement. Voilà. Je pense que ça ira là. Et bon. Regardez. Si je mets là, là on sent la vapeur qui monte là. Alors il faut s'éloigner quand vous versez l'eau sous les braises en douceur. Allez, je vous dis, passez une bonne soirée et bon appétit.